Bonjour à tous, c'est Charbon sur ma vidéo. Regardez cette vidéo, il a inventé un des couples, devinez lequel. Les meilleurs. Attends, tu dis. Les meilleurs mariages d'Alter dans My Hero Academia. Les mariages d'Alter, pour ceux qui savent pas, c'est un type. Attendez, attendez. Les amis. Comme Shoto Todoroki, qui est issu de l'union de deux familles différentes avec des alters différents, soit en général les enfants vont prendre les alters soit du père, soit de la mère, soit directement les deux comme Shoto, ou pourquoi pas une combinaison des deux. Du coup, j'en ai imaginé quelques-uns et vous me direz ce que vous en pensez dans cette vidéo. On a par exemple Mirio et Toru entre l'intangibilité et le fait d'être invisible et de réfléchir à la lumière. C'est limite un fantôme le truc. Shoto et Aoyorozu, qui sont à mon sens un couple évident et entre le feu, la glace et le fait de créer tout ce que tu veux, c'est ultra cheaté. Bakugo et Ochako, forcément le côté explosion et gravité, ça crée un mélange énorme pour avoir un héros ultra complet en combat et en sauvetage. Toga et Stain pour simplement paralyser ton adversaire une fois que tu l'as coupé, que t'as vu son sang, et de l'autre côté simplement aussi pour prendre son apparence. C'est le combo ultime à mon sens. T'as des mélanges intéressants comme Eijiro et Mina pour attaquer à distance avec de l'acide et te défendre au corps à corps bien sûr avec le durcissement. Pareil pour Tetsu Tetsu avec le métal et Ibara pour attaquer à distance avec les racines. Kami et Shinzo entre l'ensorcellement et le lavage de cerveau qui peut te brain absolument partout. Mirko et Hawks pour créer un mélange entre lapin et oiseau. Les meilleurs mariages. Est-ce qu'on peut dire que Ocha... Est-ce que vous avez deviné lequel couple n'est pas réel? J'espère que oui. Car c'est assez évident que c'est Ochako Bakugo. Ochako sort avec des coups, mais...